Salut à tous, c'est Nifex8, on se retrouve sur Fallout 4. J'étais en train de parler en fait, je vais vous montrer, une seconde, je vais juste répondre. Elle est horrible, qu'est-ce qu'on va y répondre. Il me demande en fait comment se trouve l'eau, je suis avec un robot, je vais vous montrer ça tout de suite. Aide des miliciens. Je fais partie des miliciens, vous avez besoin d'aide? Tout à fait. Ouais, donc je suis en train de parler à ce robot, dans une serre entièrement automatisée. Immonde. Il n'y a plus de pression, la radioactivité augmente, en fait elle est pratiquement toxique. Imaginez les ravages qu'elle doit faire sur ma peau. Ça ne peut plus durer. Si les miliciens veulent bien nous aider, ils auront ma reconnaissance éternelle. Je fais quoi, agacement? D'accord, bah écoute, ok. D'accord. Petite mission comme ça. Tout simplement merveilleux. Notre eau vient principalement de la vieille station de Weston, au sud d'ici. Une véritable horreur. Soyez chaud. Et allez voir. La karma est un petit peu buggée là, vu ce qu'elle me montre. Ah voilà, je vois quelque chose. Ça peut être une vraie porcherie. Si vous la D'accord. remettez en état, je pourrais très certainement vous récompenser. Ouh, j'aime les récompenses. Terminer rendez-vous à l'endroit, inspecter l'usine de traitement de l'eau. On va le faire. Brown, je crois qu'il vend des trucs, on va voir ce qu'il a. Capsule contre fruits. Bah écoute, ça m'intéresse. Vous voulez bien me remettre les fruits mutants? Sans souci, combien? Ne pas vendre, les fruits mutants. Tu peux me donner les capsules. Parfait, parfait. Allez, 30 capsules, c'est toujours ça qui rentre. Donc ce que je disais donc, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est au niveau des données, j'avais une quête par rapport justement au fameux ballon qui est dans les airs, la montgolfière, je me rappelle ça déjà. Et le problème c'est qu'elle a disparu. Malheureusement elle a disparu, j'arrive pas à la trouver, donc je suis un peu coincé. C'est un rapport justement avec les chevaliers, j'ai pas vraiment compris pourquoi ça a disparu, je ne trouve pas non plus ici. J'ai absolument aucune idée de ce qui s'est passé. Ouais, c'était en rapport avec le niveau de la radio, avec la fréquence militaire F95. Mais j'ai beau l'activer, il n'y a absolument rien. C'est totalement vide. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi donc? Alors quitte à faire, on va autant faire ça. Dans la livraison spéciale, non, nous on est en train de faire en eau trouble. Du coup on va aller voir ça. L'usine de traitement des eaux. Est-ce qu'on a déjà visité? Voyage rapide. Non. Déplacer marqueur. Non, on n'y a pas été. Ouais, du coup on va y aller. Foragun qui est pas loin. Ouais, je pense que c'est le plus rapide. On a ça en face. Ouais, quoi qu'on a ça. Allez, vas-y. On se téléporte, on se retrouve tout de suite. Oula, je vais me téléporter. Il y a un méchant kamikaze. Par contre, t'en prends une vraie arme, s'il te plaît. Vite, 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 avant qu'il pète. Il va nous faire mal. Oh, pote sur lui, c'est pas grave. Oh là là, il a pété tous ses potes, ce con. Il a pété la moitié de ses potes. Je peux dire que c'était pas une lumière. Bon, toi, tu vas me laisser tranquille, s'il te plaît, si je pouvais viser bien. Bah, déjà, mets la vraie vue. Et essaie de pas mourir. Parce que là, j'ai crevé. Ce n'est pas le but. Et toi, tu me fous la paix, s'il te plaît. Arrête de me prendre la tête. Bah, ce con, il a cramé tous ses potes avec sa bombe. On va dire que c'est pas ce qu'il y a de plus malin à faire. Ça va, tu te sens comment? Tu souffres? Tiens, je fais un steampack, je suis sympa. Je suis trop sympa avec toi. Est-ce qu'il y a autre chose? Je sais pas ce qu'ils foutaient là, les super mutants. Ils étaient tous regroupés ici d'un seul coup. Alors qu'on a déjà liquidé la zone. Ils n'avaient rien à faire là. Ouh, des petits chiens, bref. On se calme, les toutous. Pas bouger. Pas bouger, tout ira bien. Aïe, ça fait. Oh, qu'ils se sont éclatés. Quand tu les touches avec ça. Ah, il est plutôt violent, mon fusil. Il fait des bons gros dégâts. Pas dégueulasse, ma foi. J'ai amélioré en fait mes armes tout à l'heure, encore une fois. Sous mon fusil à pompe, j'ai un peu amélioré. Il manque encore des vis, vraiment que je récupère plus de vis. Parce que c'est bien pratique pour faire des améliorations d'armes. Et j'en ai pas mal besoin, enfin. Bah, apparemment, on n'est pas loin. C'est quoi ça? Ah, il y a des super mutants par là. Il y a des super mutants, on va essayer de leur apprendre un peu le respect. Oh, le toutou, ce qu'il a pris. Il a pris méchamment cher, le petit toutou. Par contre, toi, vas-y, viens par là. Je vais te recharger ça. Mets-toi un peu à couvert si possible. T'es où le super mutant? Boum! Ah, ça pique! Ça pique les yeux, mon gars! C'est le but! Bouge pas! Oh, l'enfoiré, je l'ai raté! Arrête de gaspiller munitions, s'il te plaît! Seul défaut de cette arme, c'est que ça prend du temps! Oh! Merde, c'est un kamikaze, j'ai pas fait gaffe! Vite! Je refuse de mourir! Les gars qui paniquent! Sauvegarde, on sait jamais! Comment je vais faire? Comment je vais faire? Allez, dégage! Wouah, c'était chaud! Est-ce que je peux récupérer la bombe? Oh, on peut récupérer la bombe comme ça, c'est trop bien! Une mini-bombe, un Fat Man, je pense. C'est pour le Fat Man, les mini-bombes. Génial. Wow, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais, mon gars? Lance roquette comme ça, carrément? T'as vu la. T'es taré? T'es un gros malade. Lance missile, je prends. Ah, ils déconnent pas par ici, les mutants. Ils déconnent vraiment pas. C'est quoi ça? Ah, ça fait peur. Ça fait flipper. Attends, il y a encore des potes. Il y a plein de potes qui arrivent. Salut, les gars. Ça pique? Ah, ça pique dans la tête. Ouh. Ouais, ça fait mal. En plus, ils sont un peu cons, ils bug, il est en train de. Il est coincé par le mur. Il est complètement coincé, l'autre con là-bas. Essaye de te le faire, voilà. Et tu vois, c'est pas si compliqué que ça. Pas mal de mutants.
de super mutants pour être exact. Est-ce que c'est bien ici? Ouais. C'est le fameux truc qu'on doit réparer. Apparemment, il fait plus son travail, ce qui est forcément un petit peu gênant, voyez-vous. Enfin, j'entends les tirs absolument partout. C'est quoi là-bas? Est-ce que c'est mes potes qui sont là pour m'aider? Je suppose que oui. Attends, on s'y recharge à mon coup. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est mes potes. Ils font leur taf. Ils font leur taf, donc on va laisser tranquille. Quoique, on va aller parce qu'il y a un hélicoptère qui a pris cher a priori. Salut, super mutant. Bouge pas. Ah, la tête, vas-y, je joue la tête, ah, tant pis. Oh là là, ce que t'as pris. Ouais, parce qu'en étant furtif, j'ai fait un x2. J'ai que cette arme, elle est surcheatée. Alors là, le x2, ça dérange. Ça ne pardonne pas. Ok, c'est mes potes. C'est mes potes, y'a pas de soucis. On peut y aller tranquillement. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Votre hélico, il a pris cher. Il a pris super cher. Est-ce que je pourrais récupérer quelque chose? C'est la fusion. Oh, c'est tellement cool ça quand il se crache, j'adore. Tu peux récupérer plein de trucs trop cool. Là, c'est quoi? Me faire irradier la gueule, pas grave. Je vais te voir ce que c'est. Cellule. Ah, c'est une. D'accord. Non, on boit pas, quel con! Zut, c'est pas ce que je voulais. Revise le crâne, s'il te plaît. File-moi ça. Voilà. On récupère les lunettes sur le mort. Le truc super important. Là, c'est qu'il y a plein de monde en fait. Ouh, mais c'est plein de trucs trop cool. Vous devriez mourir plus souvent. Après, je me fais irradier la gueule là. Dépêche-toi. Sors de là! Sors de là! Allez! Je sais que tu peux le faire. Alors toi, tu te fais complètement irradier. Bon, de toute façon, vu au point où j'en suis... J'ai pas le temps de parler. J'ai tellement de mettre une balle, espèce d'enfoiré. Vous êtes pas très sympa avec moi. Vous êtes pas très très sympa. Ouh, salut toi. Bouge pas, mon gars. Oh là là, le headshot qui fait mal. Le headshot qui picote les yeux bien comme il faut. Cette arme, elle est tellement bien. Donc apparemment, ce serait pas ici qu'il y a un souci. Donc on va résoudre le souci simplement en y allant. Enfin, on va les bourriner et leur apprendre un peu le respect. Par contre, l'entrée, c'est juste ça qui me pose souci, c'est où se trouve l'entrée? 30 mètres par là. Je veux bien, mais je la vois pas. Non, là, il y a que dalle. Ce serait de l'autre côté, mais comment j'accède à la plateforme? Est-ce que c'est de l'autre côté? Ah, je crois que c'est de l'autre côté, zut. Là, on a un passage. Bon, pire, je suis tellement irradié, franchement. Allez, on a plus que ça, on est pas à ça près. Allez, saute, saute, saute. Voilà, je suis presque pas fait irradié, je veux dire. Je commence à dire n'importe quoi. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut looter des trucs peut-être? Il y a 2-3 trucs qui traînent. Attends, on s'en fout. On s'en contrefout de tout ça. Non. Par contre, je veux bien dormir un petit peu. Est-ce qu'on prend un truc contre les radiations? Peut-être pas maintenant. Allez, vas-y. Dors une heure. À 7 la nuit. Ouais, vas-y, fais passer la nuit. Alors, c'est bon. Bonne nuit de sommeil. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as à nouveau le pistolet? Hey. Je préférais quand t'avais l'autre. Lance-flamme. Pourquoi tu l'utilises pas? Bon, bah, écoute, ça me dérange pas. Amuse-toi avec ça. Y'a pas de soucis, canne à pêche. Vas-y, on la prend. Une petite canne à pêche. On ne sait jamais des fois qu'on voudrait un petit poisson. Ça peut être utile. Qu'est-ce qu'on a par ici? Est-ce qu'on aurait du loot qu'on aurait perdu? Pas spécialement. Bon, cartouche, je prends. C'est toujours ça de prix. Et là, y'a que dalle. Y'a pas grand-chose. Déjà, les trucs que j'ai ratés, on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est avancer par là. Fin. Et pas me faire trop irradier, surtout, si possible. Ça serait bien. Salut, mon gaffe. Qu'est-ce que t'as? Visite chasse, ballon, tiens. Je prends. Ça peut être utile. Bon, allez voir à l'intérieur ce qui s'y passe. À mon avis, ça va pas être très joli. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ici? Qu'est-ce qu'on va prendre comme arme? Ah, on a presque plus de munitions. Zut, on est vraiment à sec. On est pas mal à sec. On a quoi ça? On a... Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas trop mal, on a un max de cellules. On a tout ce qu'il faut. Enfin. Et du monde. A priori, il y a du monde par ici. Espérons que ça aille. Parce qu'on peut piquer 2-3 trucs au passage. Ouh, le plein d'eau, vas-y, parfait. Ça, c'est carrément bien. De la pommade. Et puis, c'est tout. Le magazine de mode brûlé, on prend. On ne sait jamais. Le type complètement mort de faim. Est-ce qu'il y a du monde? J'ai pas trop ce fusil, en fait, par rapport à la taille. Il gâche vachement la vue. Mais c'est clair qu'après, il fait tel dégât. C'est bien pratique. Costume beige. Tu sais, j'entends des bruits, je sais pas vraiment ce qui se passe par là. Ouh, vas-y, cartouche, 10 mm, menottes. Quoi, silence? Il y a pas mal de trucs par ici, chips. Il y a de quoi manger. Prada, ouais, parfait. Ouais, carrément bien. Ouais, il y a du silence un peu flippant. On peut monter. Où est-ce qu'on va aller? Et là, on peut descendre. Écoute, on va d'abord aller voir en haut. Le verrou tient dans l'ordre. Non, j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas ce qu'il faut. Ça, je pense, ça va venir sur l'extérieur. Toile d'usine de traitement. Non, on s'en fout du toit. Nous, ce qu'on veut, c'est descendre. À mon avis, c'est plutôt par là. Fin. Alors, on y arrive. On se met en version couvert. C'est que je sais pas ce que je vais. Sur quoi je vais tomber. Wow, la tourelle! Pas bouger! Saleté! D'accord, bon, moi c'est protégé, on le saura. Il y a du. Est-ce que je peux récupérer ça? Voilà, cartouche fusible, je prends.
Porte d'Ivrier Novice. Ça y est. Ouh, du matos. Et du beau matos par ici. Cartouche calibre 12, yes. Ça c'est parfait, exactement ce que j'aime. Ventouse apparemment on en a besoin. Ah, attends, t'es sérieux? Ok, la porte qui servait à rien, il y avait le trou juste à côté. Oh, le truc à con. J'y crois pas, enfin. N'importe quoi. Bon, pas grand chose de plus par là. Donc là on peut descendre. Écoutez, on va y aller. On va y aller en mode même pas peur parce qu'on est un vrai. Tu me suis, t'es prêt? J'entends des bruits un peu flippants. Terminé, inspecté. Oh là là, c'est quoi ce bordel? Pomper l'eau inondant l'usine de traitement. Bon bah écoute, ça me paraît relativement facile. Au passage, je peux rien récupérer là-dessus? Non. Bon bah allez, scotch, je prends tout ça et on active. Interrupteur, on lance l'huile dans l'avantage. Oh le truc, la violence du machin! On va juste attendre tranquillement que ça s'ouvre. Activé. Même si j'ai pas des masses confiance. Oh, salut toi! Carapalmos, c'est bon. On peut se la faire facilement. Ah, ça arrive. Ça rebondit sur la carapace, faire gaffe. Ce qui peut être un problème. Ce qui peut être carrément un problème. Vas-y, fusil à pompe. Voilà. Oh, vas-y! Ah, ça marche bien. Ça marche franchement bien, le fusil à pompe là. Par contre, il faut un peu flipper. Parce que je pense qu'il va y en avoir tout plein comme ça. Et c'est pas le genre de truc que j'apprécie. D'accord, là c'est fermé. On peut ouvrir. Activer. On peut ouvrir. Ça mène sur quoi? On va quand même aller voir. On ne sait jamais. Un ascenseur qui fait quoi? Qui va descendre? Scotch, pinceau. Activer. On teste, on verra bien. Oh oh. C'est de la tourelle. C'est de la. Oh y'a. Ouh là là, c'est quoi ce bordel? Ouf. Ils sont pas contents dedans. Ils sont pas trop contents. Mais quand c'est fait qu'il y ait du feu. Puis où mon pote, il fait quoi? Il s'est barré. Moi je proposerais presque de bourriner. Allez, toi tu meurs. Il est l'autre? Allez. Un autre? Non, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Quand j'ai pris quand même plutôt cher. Bah j'ai pris le loot. On va voir au-dessus ce qu'il y a. A mon avis, il y a un truc intéressant par là. Il y a pas mal de portes en arrière de système. Oh mais c'est super grand. Il y a un bordel par ici. On met la lumière, on voit pas grand chose. Donc là c'est un... Ouh, un coffre. Ça n'a pas l'air de se crocheter. Pas le niveau. Fin. Terminal, on va voir ce qu'on peut désactiver. Peut-être des trucs intéressants à faire. On l'espère en tout cas. Fin. Alors note de service, journal des installations, commande des tourelles. Je peux les activer mais en même temps c'est pas très intéressant, j'ai déjà pété. Rien à signaler. Ah non, il y a plein de tourelles en fin. On peut tous les désactiver d'un coup. Parfait. Fin. Désactivation. Ça sera fait. Merci. Allez, en cours. On peut se barrer. Donc plus de tourelles dans le centre, je suppose. Attends, il y a un truc là, palissade. Parfait. J'ai trouvé un numéro du magazine Palissade. Vous pouvez maintenant fabriquer des meubles de jardin dans les ateliers. Oh, excellent, c'est cool ça. C'est vachement bien, enfin. C'est plutôt sympa. Magazine brûlé, on s'en fout. Fin. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Ça m'a dit qu'on pouvait pas l'ouvrir. Et puis c'est tout, fin. Ouais, pas grand-chose de plus. Je m'en prends et on y va, enfin. Ah, pas mal, sympa le truc qu'on peut ouvrir. Ça, je peux le faire. Je. T'es nouveau là? Ok, je sais pas où il est. Je l'entends, mais je vois pas. Par terre, c'est quoi? Rien d'important, on a un ascenseur. Est-ce qu'on est arrivé par ici? Ah oui, on est arrivé par ici, c'est juste. Ok, donc on est en train de tourner en rond. On est en train de tourner en rond. Est-ce que c'est normal? Oh, il m'a fait peur. Il m'a fait flipper ce con. Donc là, c'est bon. On a fait ça. Là, ça descend dans l'eau. Ce qui est pas vraiment intéressant pour le moment. Et si on va par ici, il y a quoi? On va essayer de voir un petit peu. On descend dans l'eau également. Donc non, je préfère quand même l'autre solution, qui est quand même l'air un peu mieux. Je repars ici. Et vas-y. Yes, tu gères. Tu gères. Là, rien de spécial. Ça sert à que dalle. Ça, je pense qu'on peut l'activer. Ça sert d'être par ici. Bon, c'est quoi tous ces morts? Pourquoi il y a autant de morts? Tu m'expliques? Ventilateur, il y a des vis, il me semble. Donc là, a priori, c'est où on est censé aller. Et ça, ça donne sur quoi? Porte déverrouillée avancée. Je peux pas crocheter ça. Ah là, j'ai pas le niveau. Ça, c'est chiant. Il y a tellement de trucs que je rate à cause de ça. Bon écoutez, on va ouvrir ça. Bouton, activation. J'ai mon fusée à pompe, moi. Je suis tranquille. Allez, sors par là, mon gars. Fond jeu, que dalle. C'est un fond jeu mort. Alors, brassard gauche en cuir. Non, ça, on s'en fout. Il a pris cher pour un pseudo légendaire. Il a pris extrêmement cher, le pauvre. J'entends des bruits qui me font flipper. Enfin, je crois que c'est ça. Et l'interrupteur, on répare. Allez, ça se fait baisser le niveau de l'eau. Moi, j'aime pas ce bruit. Sauvegarde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe par là? Ça a l'air de faire son travail. Ça fait du bruit par contre. Est-ce qu'il y a du méchant?
Et du méchant fangé là-bas. Est-ce qu'ils m'ont vu? Est-ce qu'ils m'ont vu? C'est la grande question. Mousquet laser. Vas-y, recharge vite. Ah, je crois qu'il... Vas-y. Va se le faire. Oh, ce que t'as pris cher, toi. C'est assez efficace. Un fangé de moins. La recharge bien. Vite, 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 vite. Dépêche-toi, dépêche-toi. Oh, ce que t'as pris, mon gars. Oh, tu peux pas me toucher, c'est con, ça. C'est dommage, mon gars. Vous êtes coincé. Vous êtes trop con pour savoir où il fallait aller. Et vous êtes surtout très très mort. Ça marche bien. Ça marche franchement très très bien. C'est plutôt sympathique comme tout. Qu'est-ce qu'on a? L'autorité des justes. Allez, prends ça. Prends ça, nous on est censé avancer par là. Ah, ils ont pris cher. Du coup, sauvegarde pour fêter ça. Est-ce que je peux sauter en mode gros bourrin? Ou est-ce que ce serait un peu kamikaze? J'aimerais bien péter ça par contre. Parce que j'ai pas des masses confiance. C'est bon? Ça sert d'être bon. Parce que si je saute là, je pourrais pas sortir de l'eau à mon avis. C'est pas une bonne idée. Il faut faire le tour. Voilà, on y arrive. Alors, active-moi ça, s'il te plaît. Activation. Toujours en faisant gaffe, pas se faire avoir par des petits fongeux. On va se cacher. Mais je pense que c'est bon, là. Ça a l'air pas mal. On doit se rendre ici. Sans vraiment faire gaffe, là. Ok, un centre de commandement, enfin, un centre de contrôle. Juste là. On y est presque, il manque pas grand-chose. Genre, je peux sauter, ouais. Vas-y, tranquillement. Oh, oh. Veuillez mourir. D'accord, j'ai fait pas grand chose avec ça. Quoique ça va. Wow, tu m'as fait peur toi. Tu m'as fait bien peur, saleté. Oh oh, vite, vite, vite. Vite, il va me faire mal. Ça picote. C'est le but. T'as un pote? J'ai du bol, là, j'ai quand même failli mourir. J'ai pas fait gaffe. J'avais plus trop de vie. Allez, on sauvegarde. Est-ce que c'est bon? Personne autour? Non, c'est bon. Prendre pour aller là, on fait comment? On fait comment? La salle est juste ici. Mais écoutez, on va voir par là. A priori, non, que dalle, on va coincer. Oh non! Une armée de fongeux! Heureusement, elles sont là. Voilà. Ah non, t'as un pote! T'as un petit pote qui va mourir! Enfin, j'espère! Faut pas viser la carapace que ça ricoche. Et forcément, c'est pas ce qu'on veut. Enfin, comment je fais? Est-ce que si je remonte par là? Comment je peux accéder à la zone là-bas? Enfin, parce que si je monte là, ça me servira à quoi? Je vois pas trop trop l'intérêt. Alors, en plus, c'est où j'étais tout à l'heure. C'est où j'étais tout à l'heure, mais bon. On va essayer, peut-être en sautant en mode. Même pas peur. Sinon, on est là-bas. On doit aller là-bas. Sinon, si je vais ici, ça me sert à rien. Je vais retomber là. Peut-être en allant de ce côté, du coup. Peut-être déverrouiller un truc. Ça, j'ai toujours pas accès. Non, ce n'est pas là. C'est juste là en dessous. Genre, si je sautais en mode bourrin, est-ce que ça pourrait le faire? Théoriquement, j'ai envie de dire que oui. On va voir. On va voir, tac tac tac. Oh non, c'est bon. Quoique non. Comment on rentre là-dedans? Comment je rentre là-dedans? Là, si je saute, ça va me faire une belle jambe en fait. Ça va me faire une belle jambe. Quoique, vas-y vite. Non, bois pas, espèce d'idiot. Fallait activer le bouton. Même si ça sert à rien en fait. Bouton activé, se passe quoi? D'accord. Ça ne fait absolument rien. Ça me fait irradier comme pas possible. Moi, j'attends tranquillement. Normalement, c'est pas trop trop grave. Active-moi ça. Le type tranquille, il se fait irradier, il n'en a rien à foutre. Faut que nous, c'est fait, relancer la pompe principale. A mon avis, c'est à ce moment-là qu'il y a plein de monstres qui vont apparaître. Je dis ça, je dis rien. Mais à mon avis, ça va être comme ça. Ils sont ouf. Tiens, sauvegarde. On ne prend aucun risque. Parce que ça prend du temps, faire tout ça. C'est bon, je peux y aller? Je me fais irradier ou pas? Non, je me fais même pas irradier, parfait. Alors, la pompe principale, pour l'activer, t'es mort, toi? Ouais, t'es mort. T'as un ballon sur toi et donc ça va pourquoi? Ça n'a aucune logique. La porte qu'on peut activer. Retournez voir le superviseur White. Ah, c'est tout! Ah, bah c'était facile! C'était facile comme tout! On récupère tout ce qu'on a eu. Oh, pas mal de trucs. Ils ont été assez généreux. Ils ont été assez généreux avec nous. Au boire, non, on va éviter. Les ordinateurs d'avant. Qu'est-ce qu'on aurait par ici? Y'a pas un truc qui traîne peut-être? Non, absolument pas. Bah écoutez, parfait. Une petite mission au rendement l'emmené. Tout s'est très bien passé pour nous. Ça fait plaisir. Ok, on arrive à la surface. Et ça a l'air relativement calme. Bah parfait. On a fait un bon travail par ici. Très bon travail, je vous remercie. Est-ce qu'il y a encore du loot? Cellule, Steam Pack. Bah parfait, en plus, il y a des trucs qui nous attendent comme ça direct en bas. Que demande le peuple? T'es gentil, toi? T'es qui? Non, c'est bon, t'es notre pote. T'es notre pote, tu m'as fait un peu peur. Cette zone est réservée aux militaires. Oh, mais ta gueule! Faire les poches. Est-ce qu'on tente? Ça peut passer. Non, on va quand même pas abuser. On va quand même pas abuser.
on n'est pas comme ça. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. On va pouvoir retourner voir notre pote, histoire de lui rendre la mission. Alors, je viens vous rendre la mission. Tout s'est très très bien passé, c'était franchement facile. Je m'attendais à pire. Ah, fréquence militaire F95 trouvée. Bah, montre-la-moi cette foutue fréquence. Pourquoi j'arrive pas à la voir? Là, elle est activée. Étant donné, j'ai pas ça. Elle a disparu, avant, elle y était. Et si je la désactive, j'enlève la fréquence. J'aurai d'en donner, ça n'apparaît pas non plus. C'est vraiment bizarre. Bon, alors, je rends ma petite mission. Pas ça, je pique tout ça, parce que j'ai même pas peur. Moi, je suis un fou. Dis-moi tout. Quel plaisir de vous revoir. Vous avez résolu notre petit problème d'eau. Alors, pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est si important pour vous? Voyons, trésor. Une ferme n'est rien sans eau. Vous méritez quelque chose pour tous vos efforts. Tenez, prenez quelques-uns de nos produits. Je vais aussi dire à Grigny de vous faire une remise. Tout ça pour 3 fruits mutants, t'es sérieux? 3 courges? Il faut que je me remette au travail. Épines maïs? Oh là là, que de la bouffe de merde. Vous pouvez maintenant utiliser cet atelier. Bon, au moins on a fait l'émission, c'est important. En plus on gagne un millier de niveaux. Ce qui est carrément cool. Apparemment je peux avoir des prix. Ah non, tu capsules, ça c'est cool. Je vous tire mon chapeau bien bon. Oui, bon. Et par ça. Dieu me bénisse. Non, tu veux pas me filer des trucs? Je croyais que tu vendais des trucs, non? Merci encore pour votre aide. D'accord. Bon, ils ont pas grand chose à foutre. Est-ce qu'il y en a un autre encore de superviseur? Il y en a 3, il me semble. Je dis n'importe quoi. Scotch, ciseaux, je prends. Mais c'est vrai qu'il y en a un petit peu plus que ça. Tu récupères la bouffe au passage. Il n'y a pas de raison. Des petites carottes. Et puis c'est tout. Par contre, j'ai un petit peu déçu là. Niveau récompense, c'était pas la folie folie. C'est un plaisir de vous voir. Mais bon, en même temps, c'est une vieille quête. Peut-être que forcément, en début de partie, c'est un truc qui serait bien récompensé. À présent, c'est vrai que c'était pas la folie. Mais je m'en fous parce que j'ai quand même récupéré plein de trucs. De l'XP, et l'XP ça n'a pas de prix. Du coup, un nouveau niveau, qu'est-ce qu'on pourra en faire? On arrive niveau combien? Niveau 28, bientôt niveau 30, qu'il y aura un nouveau truc qu'on pourra déverrouiller. Que faire? Ça c'est niveau 39, on oublie pour le moment. C'est vrai que les Steam Packs, ça serait cool quand même. Améliorer ça, rendement de 60, c'est pas dégueulasse. Autrement, vous pouvez investir un total de 500 capsules pour augmenter la capacité d'achat d'un magasin. Ouais, enfin. Ça pourrait être intéressant, non? Fenêtre capsule, je sais pas exactement. Ah non, niveau 41, laisse tomber. Laisse tomber, par contre, ça peut être pas mal. Encore monter un peu plus, quitte à faire, ça serait pas dégueulasse. Autrement, il y a scientifique. Allez, vas-y, fais péter scientifique, je confirme. Il y a pas mal de trucs que je peux déverrouiller grâce à ça. Niveau 2 est plutôt intéressant. Donc autant le prendre maintenant, tant mieux. Il fallait également, on a une mission, si je fais pas de bêtises, apporter une bombe de gaz. Amphithéâtre, hallucigène. Ah, c'est ça. On n'est pas encore découvert cet endroit. Mais écoutez, on va vite y aller. Quitte à faire, on va faire un petit tour là-bas. Alors, signal de radio trouvé. On est bon, donc ce serait juste ici, tant. Amphithéâtre, hallucigène, bah, c'est ça que je voulais faire. Ah, c'est ce truc, c'est ce grand bâtiment, hallucigène, Inc. Qu'est-ce qu'on a? Capsule, le reste, on s'en fout. Pourquoi il est mort? Comment ça se fait qu'il soit mort? Est-ce que c'est moi qui suis passé là à l'époque? C'est possible. Bah, je pense que j'aurais pété la gueule. J'ai dû. Ah, t'es où toi? Je pense qu'elle est dedans. A pris la lettre dedans, parce qu'ils ont quand même pris bien bien cher les petits. Rien de plus. Bon bah écoutez, ça a l'air bon, on va y aller. Je répète, fuite chimique détectée. Wow, c'est un peu la merde par ici. Ok, les artilleurs, on leur pète la gueule, on les aime pas. Oh, il prend cher. Prend méchamment cher, monsieur. Oula. Attends, ils sont ouf. Qui est méchant, qui est gentil? Parce que tout le monde est méchant. J'ai l'impression que tout le monde est méchant, par contre je suis bien irradié. Parce que c'est normal, c'est quoi toute cette... Water, je prends... C'est quoi ce truc vert qui traîne un peu partout, fond, et qui est un petit peu flippant, enfin. Oh, mais il y a plein d'eau par ici, c'est la fête. C'est la grosse fête. Eau droguée. Ah non, c'est de l'eau droguée, c'est quoi ce délire? Wow, à mon avis, il y a beaucoup de drogue par ici. En même temps, on s'en doutait, c'est un peu pour ça qu'on est ici. Et bon, non. Par où on passe? Et que cette entrée-là? J'ai l'impression... Ah, qu'on doit aller par là-bas. Bon, bah écoute, vas-y. Vas-y, vas-y. J'ai cru que c'était mon pote, ce qui venait de passer. Ça m'a perturbé. Laser en talent, on s'en fout. Tout ça n'a pas trop d'importance. Je répète, fuite chimique détectée. Veuillez évacuer le bâtiment immédiatement. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Pistolet. C'est un petit peu flippant quand même. J'ai pris la matraque, ça me sert absolument à rien. C'est un réflexe. Waouh, c'est quoi cette eau? C'est quoi ces bruits surtout? J'ai pas vraiment confiance. Petit fusil à pompe là. Et à part ça, je risque pas de me faire contaminer par toute tous ces gaz. C'est quoi ce délire? À mon avis, c'est pas très normal. Veuillez
évacuer le bâtiment. Je dis ça, je dis rien. Mais ça paraît très très sûr ici. Voire même carrément pas sûr, j'ai envie de dire. Bon bah écoutez, on va avancer tranquillement. On verra bien sur quoi on tombe. Oh, vas-y. Non, t'es pas mort, c'est bon, t'es mort cette fois. Et t'as pris cher même. Steam Pack, je te remercie, j'en aurais besoin. D'ailleurs, je pourrais presque me soigner. C'est vrai que là, je suis vachement irradié. Ça commence à être un petit peu abusé. Soin, qu'est-ce que j'ai pour ça? Alors, je prends un petit Radaway, s'il te plaît. Merci. Suffit d'un peu d'eau pour me soigner. Ça sera parfait. Eau droguée, eau purifiée. Le bâtiment. Quelle est la différence? Radiation, perse. Non, prends-moi de l'eau purifiée, s'il te plaît. C'est là, très bien. Voilà, comme ça, on est bon. Par contre, ça tire. T'es qui toi? Non, t'as l'air complètement taré. T'es un peu drogué, à mon avis. Vu l'hallucination que t'as eue, Steam Pack, ils ont l'air complètement défoncés les types. Mais pas qu'un peu. Terminal, je peux le pirater, parfait. Fuite chimique détectée. Protocole actuel, suppresseur. Activer le protocole actuel, afficher les informations de protocole, afficher les rapports du laboratoire. Réseau de base de données hors ligne. Oui, qu'est-ce que je peux savoir? D'accord, donc j'ai pas accès, connexion. Non, ça fonctionne pas, je peux pas y accéder. Est-ce que je peux modifier le protocole? Parce qu'à quoi ça me sert? Afficher les informations de protocole actuel. Neutralisation non mortelle de la cible par décharge électrique. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Activer le protocole actuel. Démarrage du test, merci de prendre toutes les mesures de sécurité appropriées. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? État inactif. Les activations du protocole. Ouais, j'en sais rien. Wow! Ah oui, quand même! Wow, 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 wow! C'est un peu la merde, comment dire? Je répète. Fuite chimique. L'avantage, c'est que ça va leur péter la gueule. Évacuer le bâtiment immédiatement. Mais ça me pète la gueule aussi. Et du coup, c'est quand même pas très drôle. C'est bon, tu t'es calmé? A priori, c'est un peu calmé. Le piège. Je peux pas le prendre, non? Oh, attends, c'est quoi, Tesla? Et voilà. Vous avez trouvé un numéro du magazine Science Tesla. Les armes à énergie infligent 5% de dégâts critiques supplémentaires. Oh, ça c'est carrément bien. C'est très très bien, écoutez. Tiens, un peu de scotch au passage. Je prends, enfin. On ne sait jamais. Ah, il a pris cher, monsieur. Il a pris très très cher. Rien de spécial. Enfin, la madame, surtout. Steam Pack. Je te remercie, mon gars. Ils se sont fait éclater la tête. D'autres volontaires? Qui est là? Pour une mort horrible. Elle me tire plus faire le tour, tu sais. J'arrive, j'arrive. Ah non, mais c'est quelqu'un de gentil peut-être, conscrit. Pardon. Non, c'est une artilleur. Alors, fille d'ici, on se connaît. Pas de panique, on se connaît. Non. Veuillez évacuer. Non, je vais pas me faire avoir. Merde, ça va pas passer. Partez. Oui. Hé. Hey. N'approchez pas. C'est quoi ton délire? N'approchez pas. T'es drogué? Malheureusement, j'ai pas ce qu'il faut pour t'ouvrir. J'ai pas le niveau avancé. Ouais. Du coup, à moins qu'il y ait une ouverture quelque part. Waouh, c'est quoi tout ce bordel? J'ai pas confiance. Oh la grenade! Marre-toi, salut! Aïe aïe aïe! Dégage! C'est pas mort encore! C'est bon. Elle a fait mal. Petit succès au passage, c'est quoi? Bourreau de travail! C'est quoi? Tuer 300 personnes. Excellent. Les pauvres. Ils ont pris plutôt cher. Ça c'est bon, y a pas moyen d'ouvrir le truc là-bas? Il est avec son lance-flamme, le truc pas du tout dangereux. Fin. Porte, elle ouvre-moi tout. Ouh, des petits robots. Fond. Des petits robots fond. Plutôt sympa. Est-ce qu'on les active? Détecté. Veuillez évacuer le bâtiment. Ah, j'ai pas niveau pour. Je n'ai pas niveau pour, on peut laisser tranquille. Mais c'est quoi ce délire ici? Qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi? C'est juste un truc de fou quoi, la fuite chimique de la mort. Et surtout, je sais pas, c'est très très vraiment une bonne idée de se promener par ici. Personnellement, j'aurais tendance à dire que non. En plus, c'était. D'accord, donc si je tombe, je suis repassé là-haut. Est-ce que je vais pouvoir revenir ici? Je sais pas vraiment ce que c'est. Attends, plutôt aller voir de l'autre côté du coup. Et si ça sent la fesse, c'est bon. C'est que c'est super grand quoi. C'est juste super grand. Ah, y'a un gars. Y'a un gars qui se m'a tiré, je ne sais sur quoi. Wow, c'est le bordel ici. Qui tire sur qui? Toi, t'es qui? Je sais pas qui est méchant. Je crois qu'ils ont pété un plomb à cause de la drogue. Ils se tirent tous dessus. Ouais, j'ai l'impression qu'ils se tirent tous dessus. Hey. Non, je fais que dalle là? Je suis trop loin. Je sais pas grand chose comme dégâts. Fuite chimique détectée. Veuillez oui, on évacuer sait. Le bâtiment. On sait, mais on s'en fout. Apparemment, ça a l'air d'aller pour le moment. Tant que ça va, moi je reste. Je ne panique pas. Enfin, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Du moins, je l'espère. Pendant que le type il est en train de bouger comme pas possible.
Lui, par contre, il va pas très bien. Il a un petit peu trop pris de drogue. C'est les choses qui arrivent. Ok. Terminal, c'est quoi? Terminal de comptabilité. On a deux brouillons de bilan. Quel est l'intérêt? Non destiné au public. Hallucigen Inc. a fait état de pertes d'exploitation à hauteur de 1,8 milliard de dollars. Ouf. Hallucigen, qui est dans la troisième année d'existence, aspire à devenir leader mondial de la technologie d'armement de pointe non mortelle pour la police et l'armée. D'accord. Et puis à part ça, c'est quoi l'autre? Est-ce que c'est un tant soit peu d'intérêt ou pas du tout? Numéro 2, je suppose qu'il mentait. Alors ici, a le plaisir d'annoncer que ses revenus pour le troisième trimestre se montent à 1,1 milliard. D'accord, donc en gros c'est des gros mythos. T'avais deux versions prêtes. Une version, on a pas du fric, une version, on est pété de fric. On sait plus quoi en faire. Donc là on a une porte. Attends, peut-être pas trop se perdre. C'est que c'est tellement grand. C'est juste gigantesque par ici. Allez vite, ouvre-moi ça. On va voir ce qu'on peut y trouver. Y a-t-il du monde par ici? Les toilettes. On s'en contrefou. Toilettes aussi. Y a pas de steampack? Attends, regarde comme s'il y a pas un steampack au passage. Non, je n'ai pas l'impression. Et après on redescend. C'est quoi ce délire? C'est gigantesque ce bordel. Apparemment c'est bon. Ok, elle pète un plomb. Je sais pas si c'est une bonne idée. Libérer. Est-ce que t'es gentil? Non, t'es pas gentil. Ça t'apprendra. Je sais pas, tu réfléchiras à 2 secondes. Avant de te mettre à taper tout le monde. Allez, ouvre. Activation. Allez, c'est complètement taré, type. Laisse-moi tranquille, toi. Oh là là. Ils se font mais défoncer. Bon, toi, ils méritent pas grand-chose de plus. Je pense que c'est les gaz qui les ont fait péter un plomb. Hein. Ils ont pas trop supporté ça. Calibre 12, je prends. J'espère que moi, je pète pas un plomb aussi. C'est le risque. Je risque de perdre un petit peu la raison. Enfin. Purifié, parfait. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, je sais. Je suis un fou. Hein. Stylo réveil, on s'en fout. Hein. Le type est en train de se tabasser, c'est pas pourquoi. Ils sont tous plus tarés les uns que les autres. Hein. Il est où? Ça va, avec Z? C'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Je pense que c'est pour leur faire leur test, ça, c'est sale. A priori. Il y a de fortes chances. Est-ce que je tourne en rond ou pas? Non, ça a l'air d'être juste. Ça a l'air d'être juste. Bienvenue dans la zone d'observation des laboratoires hallucigènes. Approchez-vous de la vitre pour assister à une démonstration de... Je répète, fuite chimique... Mais c'est horrible, ils ont foiré, c'était tous les tests. Impossible de pirater ça. J'ai pas le niveau, malheureusement. Alors, si j'active, il se passe quoi? Ça met la lumière. L'oxygène offre à vos troupes une solution dernier cri en matière de décontamination de terrain. D'accord, quel est l'intérêt? Wow! Les résidus de radiation pourraient subsister dans la zone affectée. Le dosage est susceptible de changer après le résultat des évaluations de sécurité. Oh les pauvres, la violence du truc! Genre son active tout, c'est pas drôle, les gars! Un peu psychopathe! T'es sûr, ça a pété partout! L'hallucigène est idéal pour disperser les civils sans violence. Ah, c'est pour ça! C'est pour leur faire péter un plomb! Pour qu'ils arrêtent de se battre! Responsabilité en cas de dommages matériels, blessures ou décès résultant de panique générale liée à... Ah, ça les calme! Ça a l'air de plutôt bien fonctionner, écoutez. Ça les a effectivement calmés, même s'il y a des effets secondaires a priori assez violents. Au moins, ça fait son taf, ça c'est sûr. Après, est-ce que je recommanderais ça? Je ne pense pas. Fuite chimique détectée. Veuillez évacuer le bâtiment. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Que dalle de plus. Ça tire par là. Donc là, c'est juste, c'est par ici. Attention, ce que ça tire fort, là. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui vous arrive ici? Toi, tu me laisses tranquille, s'il te plaît. Tu seras gentil. C'est bien efficace le 12 mm. C'est que là pour le coup le pistolet, c'est un bon pistolet que j'avais à l'époque, mais là, il commence à plus faire tant de dégâts. Cellule, je prends. Enfin, j'aime l'argent, je fais quand même pas mal de fric ici. J'arrête pas de prendre plein de trucs. Et ça me coûte pas grand chose en munitions. Donc franchement, je suis plutôt pour. Les pauvres quoi, mais c'est horrible. C'est absolument horrible. Conscrit. Pardon. Vous n'existez pas, vous n'êtes. Est-ce que je peux te faire les poches quoi, pour ça, non? D'accord. J'aimerais bien te tuer en fait pour être sympa avec toi. Je répète, fuite chimique détectée. Veuillez évacuer le bâtiment immédiatement. Je vais être sympa, parce que sérieux, c'est salaud de te laisser vivre. Hein. Vu le bordel que t'as autour de toi, c'est la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Le truc tranquille, tiens je te mets une balle. Pour 30 services, vraiment pour ça, pas pour autre chose. Capsule. Hein. Bon j'ai coupé des points donc ça va, c'est pas trop grave. Ça je peux l'ouvrir. Allez, montre-nous que tu sais le faire. Non, dans l'autre sens.
Et ça passe presque. Non, pas du tout, c'était plus par là. Allez, tu peux le faire. Quoi? Oh, j'y étais, t'es sérieux? À un millimètre près. C'est déjà pas grand chose, c'est bon. Attends, j'ai des moins. Qu'est-ce qu'on a? First aid, steampack, radaway, je prends. C'est plutôt bien dissolvant, ouais, bon. Voilà quoi. Cartouche IGAD, par contre, ça c'est cool. Ça c'est carrément cool. Une ampoule, et c'est tout. Y a-t-il du monde par là? Attends, je vais quand même sortir le fusil à pompe, des fois que. Ah, puis accessoirement, une sauvegarde. Faut pas déconner, ça fait longtemps. Voilà. On a quoi par là? Fuite chimique détectée. Oui, oui, on sait, on sait. Évacuer le bâtiment. T'inquiète pas, terminal d'accès. Ah, je peux le déverrouiller, parfait. Alors, état de l'ordinateur central, réinitialisation totale des mots de passe. Oh, pas mal ça. Vas-y, trop bien. Du coup, j'ai accès à tous les mots de passe théoriquement. Tous les mots de passe des terminaux étaient réinitialisés. Nouveau mot de passe, admin 3. N'importe quoi, le mot de passe complètement pourri. État de l'ordinateur central. Ah, parfait, c'est bon ça. Défaillance critique. Bah, parfait, comme ça, maintenant j'ai accès à tous les ordinateurs. C'est plutôt cool. Du coup, je pourrais presque revenir en arrière parce que j'ai des ordi que j'ai pas pu pirater. C'est bon à savoir ça. C'est pas du tout dangereux. Détecté. Ah, minigun, t'es sérieux? Le bâtiment. Écoute, prends-le. Ah, je porte trop de chance, à trop de choses, c'est juste. Est-ce que je peux te filer le minigun? Ça m'arrangerait. Attention. Allez, parfait, il me porte tout ça. Je te remercie. Donc j'ai accès à tout, trop bien. C'est tellement stylé. Allez, ouvre-moi tous les trucs. Mot de passe requis. Pas de soucis, je suis le boss ici. J'ai les codes d'accès. Commande de la porte de sécurité. Ouverture. Merci. Vous êtes fort sympathique. Par contre, là, j'ai pas trop confiance. Il se passe quoi par ici? Prends le fusil à pompe. Capsule. Parce que ça a l'air un petit peu explosé. Et qui dit un peu explosé? Ah, c'est par ici qu'ils sont rentrés, je pense. Oh, barre-toi. Non, mauvaise idée. C'était pas le bon chemin. C'était pas tout à fait le bon chemin. On va éviter ce passage-là. À mon avis. Non, vas-y pas. Tu fais quoi, Nick? T'es con? Mais t'es con, Nick? Ah, non, c'est un robot, je suis bête, il risque rien. Je répète. Fuite chimique détectée. Veuillez évacuer le bâtiment immédiatement. Mais non, t'inquiète pas. Il n'y a aucun souci, nous ne risquons rien. Juste à terminal de décontamination. Est-ce que tu peux l'activer du coup? J'ai le mot de passe. À quoi ça me sert? Fuite chimique, on sait. Une forte concentration de gaz toxique a été détectée dans la chambre de décontamination. Comment ça, décontamination? Bah voilà, qu'on pourra passer tranquillement sans souci. Ah, ça marche bien quand même ce système. C'est plutôt efficace. Oh, tiens bon. Par contre, je peux pas y rentrer. Je n'ai pas ce qu'il faut, et du coup c'est bon, on peut rentrer tranquillement. Banana, non c'est bon. Oh là là, le bordel. Des capsules, de délicieuses capsules. Capsule beret. On peut y aller. C'est quoi? Des jerrycans. Sinon c'est un petit peu piégé la zone par contre. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, effectivement, il y a du monde. Commandant des artilleurs. Donc là il y a du lourd. C'est pas où je suis, donc reste comme ça. Non non, reste là. Quel con, reste là. Laisse-moi lui péter sa gueule, je suis en x2 là. Si c'est pas où je suis. Il s'est barré? Ah, il est invisible! Il est invisible! Il y a des robots. Le problème, c'est que vas-y pour viser un robot. Je te vois pas, mec. Là! Oh là là, ce que t'as pris! Je t'ai one shot? Des amorçages? Merci. Je crois que je l'ai one shot, si j'ai pas de bêtises. Ce qui est, ma foi, plutôt pas mal. Ah, du mantas? Tu avais vu une mantas? Ouh, bombe de gaz, c'était ça que je devais prendre. Il me semble bien, on verra. En tout cas, je le prends. On ne sait jamais, ça peut valoir du fric. Alors qu'est-ce qui s'est passé par ici? Capsule. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Arc Tesla. Désamorcé. Je prends. Terminal du laboratoire de développement. Qu'est-ce qu'on a par ici? Circuit imprimé à jeter, merci. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Résultat de test. Résultat de test. Dispersant, gaz. Là, le gaz hallucigène, c'est quoi alors? Malgré une nouvelle formule, le gaz a provoqué une rupture traumatique des glandes surrénales. D'accord, donc c'est pas très très bon. On va peut-être éviter d'en prendre. À mon avis, c'est pas la meilleure chose à faire. Il y en a un peu partout en fait, c'est cool. Plein de bonbonnes, je pense que ça vaut du fric. A priori, ça va avoir de l'argent. Je vais les piquer, on verra bien. Ça a tué des gens, c'est pas grave. C'est pas notre souci, ils avaient qu'à pas se droguer. C'est bien fait pour eux. Non, quand même, pas exagéré. Mais quand même. Et puis, on va s'asseoir autre chose. En même temps, vu le monde. C'est lui que j'ai flingué? Clé d'hallucigène, a priori oui. Briefing de mission. Note d'artilleur, cartouche team pack. Et je limite pense que t'as, parce que je pense que c'est des trucs cool. Donc autant les prendre. Je répète, fuite chimique détectée. Ce que vous voulez. Veuillez évacuer le bâtiment immédiatement. Ah, est-ce qu'on a encore autre chose qui traînait par là? Bonbonne percée. Ah, du coup, c'est pas très intéressant. Joli. On ne sait jamais. Ah, je suis bien. À mon avis, j'ai pas mal de trucs, on va pouvoir partir tranquille.
Ils sont encore des capsules, ils sont plein de fric ces types. Nuka-Cola, du délicieux Nuka-Cola, qui vaut tellement cher. Qui vaut ma foi une petite fortune. Ils ont tous du fric quoi. De toute façon, c'est un peu irradié par contre par là. Bombes de gaz. Bon bah écoutez, on a fait le tour. On a braqué tout ce qu'on a pu, tel des gros enfoirés. On s'est fait plaisir là pour le coup. On a vraiment braqué la totalité du labo. Ouais, je pense que c'est bon. Allez, go. Qu'est-ce qu'on a par là, par des radiations? Là, c'est fermé. Clé, capsule, cartouche. Allez, prends tout. Prends tout, on est des fous. Et des munitions. Ou calibre 12, ça c'est cool, j'en ai utilisé vachement. Ça m'arrange carrément, Ah, la petite sauvegarde qui passe bien. Ça s'est, ma foi, super bien passé pour nous, écoutez. Je suis content, C'est quoi ça? Non, que dalle. Allez, go. Du coup, on se retrouve directement dehors. On va pouvoir se téléporter directement là où il fallait. Est-ce qu'il y a du méchant? Non. S'il y a un radio, on s'en fout. Moi, je vais me téléporter directement là où il faut. Alors, on est nouveau dans la petite ville. Toi, t'es un peu mort. Masque à gaz. Non, on s'en fout, tu n'as rien. Pour rendre ma mission, ça se passe par où? Il dit que c'est par ici quand ça se fait. Attends, c'est quoi? Old Corner Bookstore. Wow, je me fais bien irradier la gueule là. J'ai pris des méchantes radiations à cause de cette connerie. C'est pas grave. J'essaie désespérément de trouver l'entrée. Je suis pas dans la bonne ville en fait. Je suis peut-être porté au bon endroit. Salut vous. Vous êtes gentil ou pas? Vous êtes qui? T'en sors le flingue pour savoir qui c'est. Non, c'est pas des gentils, d'accord. Bon, on va les abattre. On va les abattre bien comme il faut. Pour ça, on a une arme ultime. L'autorité des justes. Allez. Boum! Oh, ça fait mal. Ça fait carrément mal. Dans la tête. En plus, ils prennent feu. Ah, c'est comme des légendaires. C'est comme des légendaires. Attends, fais-toi l'eau déjà. Oh oh. Non. Récupère de la vie. C'est pas grave. On va se les finir tranquillement au feu. Toi, tu fuis pas, tu fais quoi? Tu restes là, celle-té. Tu te bats jusqu'à la fin. Oh merde, je vais mourir. J'ai pas fait gaffe. Barre-toi. Oh non, le con. Ah voilà, cette fois je suis directement téléporté ici, je veux dire. C'est quand même nettement plus juste. Et du coup, je crois que c'est à l'hôtel qu'on devait aller. Si je dis pas de bêtises, l'hôtel qui était juste exactement. Hôtel Rexport. On va lui rendre tout ça. Il sera content, le monsieur. Alors, je vais attendre ça. Voilà. Alors, c'était comment, Lucien? Vous m'avez trouvé quelque chose d'intéressant? Ouais, plein de trucs. Qu'est-ce que je fais par contre? Pas encore weird qui puis. Qu'est-ce que je dois faire déjà? Allez à l'oxygène. Ah non, j'en fous. Vous quelque chose? Alors, vous l'avez fait? Oui, je l'ai fait. J'ai trouvé cette bonbonne de gaz. Il a l'air puissant. Excellent. Va falloir faire gaffe. Alors, analyser les composés et tout ça. Mais bon, ça, c'est mon problème. De votre côté, il ne vous reste plus qu'à vous faire payer. Tenez, comme promis. Hé, hey, avant de partir, vous voulez pas un petit remontant? Buff out, Mantat. Non merci, par contre ça fait de l'XP, je suis content. Voyons ce que vous avez là. J'ai tout testé moi-même, personnellement. Juste voir un petit peu si c'est pas les conneries sur lui. Bah non, il est que de la merde. Bon, je peux lui vendre un peu les trucs que j'ai. Voilà, j'ai pris tout son fric, j'accepte, je te remercie mon gars. Je t'ai dépouillé de tout ton fric, pas mal. On commence à avoir pas mal d'argent là quand même. Ça se passe ma foi plutôt bien pour nous, écoutez. Et montre-moi cette beauté, cette belle armure qui gère. Je me suis bien éclaté, j'espère que vous aussi. Pensez, c'est un petit pouce bleu et on se retrouve tout bientôt pour suivre l'aventure. Ciao ciao!